l'impression en tout cas qu'il s'inquiète legit. Bah continuez du coup, allez go. Afghanistan, oui. Non, pas le Vietnam, c'est trop, trop tôt. Enfin, trop tard. Enfin, bref. Trop ancien. Ouais, là, ils vont me rerouler dans mon incapacité de sauver Kate. Pour bien me dégoûter. How are you doing, Max? Hi, Joyce. Merci, Minnie. I'm so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Ah, il faut que je change le titre du stream aussi. Stelma and Louise, you're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please step back. You're kidding. Put that down. Please get me out of here. Mais comment fallait faire sans bouger le train, genre? Et merde. What are you doing here, Max? Now I know today was difficult for everybody. Miss Coffey, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please tell us everything. Oh, les bouteilles, ça va, ça m'a pas trop saoulé. Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I believe anything this week. Je suis bien deg. Il faut que je change de titre de mon stream. Épisode 3. Non, je vais peut-être pas faire les 5 à la suite. N'exagérons rien, n'est-ce pas? Mais je vais commencer le 3ème, on va dire. Je veux sans doute pas le finir d'ailleurs. 2h50 déjà. Chloe would be all over this. So I better get moving. Ah ouais, il y a pas un couvre-feu. Ah, j'ai récupéré le lapin de Kate. Ah, il faut que je donne à bouffer au lapin. Are you hungry, bunny? Here, nosh on this. Sorry, Lisa. Ah merde. Too much water. I can't even keep my plant alive. J'ai trop arrosé la plante, quoi. Mais sérieux? Très bien. Ok. Ok.
Ah là là, il y a ma maman qui m'a envoyé un message. On t'aime, je t'appelle de suite, je t'aime. Tu dirais pour ton amie alors qu'elle n'avait personne d'autre et qu'elle a fait son choix, personne n'y peut rien. Notre petite héroïne, on t'aime très fort. C'est mignon ça. Warren m'a envoyé un message aussi. Je voulais juste savoir comment ça va, c'était dur aujourd'hui, mais tu en as fait plus que n'importe qui pour aider Kate, je suis fier de toi. Et t'en fais voir notre vie au drive-in. Mais si tu veux t'échapper sur une planète de singes, allons-y. Je t'appelle plus tard. Numéro privé. Yo sale pute, tu vas mourir avec toutes les féminazies. Ah, c'est très bien ça. C'est intéressant comme message. C'est sans doute un gamer gator ou quelque chose comme ça. Rendez-vous devant le campus, bouge-toi le cul et vite. Glad the media doesn't waste a second exploiting tragedy. Now Kate's family has to see their daughter's death all over the web like a cat video. And I'm even in this one. Oh, that makes me ill. Cliquez sur ce lien pour visionner les vidéos, putain. C'est insupportable ça. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. This is such a moving piece of cut and paste Blackwell bullshit. Nobody here had Kate's back. Too little, too late. Qu'est-ce qu'il m'envoie lui? Il y en a un numéro vert. On vient de commencer pour viser. Foutre de ma gueule. Ah oui. They bullied her and now post their feels. Oh là, mais Victoria qui poste sur ce truc quoi. Request Cat in Pack. Dans nos cœurs Forever Tyler. Quel connard tous. Connard hypocrite. Putain, surtout Victoria quoi. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Chute épique. J'espère que t'as au moins tiré un selfie. Mais quelle connasse. T'aurais pas dû essayer d'aider Kate. Tu es la seule qui voulait vraiment l'aider. Quand on perd un match, personne meurt, j'ai ça, je dis rien. Oh, mais quel bande de connards. Brûle serpent. Juliette Watson, je vais interviewer. Oh là là. Quelle horreur. Everybody will be talking about Kate now. Ah, balle de sang qu'ils aient fait time out par Moubot. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, ouais, d'accord, j'ai posé ma manette et ça a rembouillé. Ah, parce que t'as dit un mot. Ah oui, t'as dit Squeezie. D'accord. On dirait une allégorie des gens tweet, c'est vrai, un petit peu. Quoi? La bonne citation, c'était? Non. Non, c'était pas la bonne citation. Ah si, c'est Mathieu. Mais non, c'était. Ah oui. Oh, putain, Père Lamonde qui me donne la bonne citation. Mais quel connard aussi, Père Lamonde. Blackwell might as well shut down for the next month. D'accord. Ew. Ah oui, quelle heure. Nathan. Jeebus, I am so freaking tired. No way can I clean that shit off. Time to get. Come on, Max. No more tears. You have to act, not react. Je vais laisser allumer pour faire croire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Okay, est-ce que je ship toujours Max et Chloé? Bof, non. Pas trop. Je ship Max et Avenge Cat Marsh. Brooke. Ah ouais, carrément, quoi. Et là, Victoria, la salope, là. Wherever you go, there I am. Mais quel hypocrite, thought. Mais quel hypocrite. And it's always about Victoria. God. That's like some awful TV crime scene in our dorm. Kate
I would give up my power if I could have another rewind to save you. I won't rest until we find out the truth. This is my prayer for you, Kate. Bless your gentle soul. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais le jeu, quand même, c'est pas normal parce que il te donne un élément de gameplay et il te l'enlève au moment même où il serait utile. C'est quoi qui fait du bruit là-bas ? So much hypocrite. J'avoue. Quelqu'un dans les douches là, non ? Ah tiens. Micheline. Salut. Hey Max. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. Rassurer Taylor, accuser Taylor. Accuser. You should believe it. She jumped because you and everybody here bullied her. What? You're like blaming me? Bah oui, t'es une connasse. As a fact, yes. Then just get out of here. Like, stop fucking with me. I already told you that my mom's. Ah mais je m'en branle de ta mère en fait. C'est ça le problème. C'est que ta mère, c'est pas une excuse pour être une salope. Voilà, peace. Tidididadou. Mais oui, je viens. Ah, c'est Dana. Salut. Hey Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. Mais non, toi t'es gentil. On est tous responsables. On est tous un peu responsables. Hein. Salut à Jimmy, coucou. Not you, Max. You were close to her. Tu étais gentil aussi. You were nice to Kate. That's all she needed from everybody else here. Tell that to Victoria and the Vortex Club. Dana, there's more to this than just Victoria and the Vortex Club being mean. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Mm-hmm. Je ne suis pas encore sûr. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier and now ah, Victoria qui s'est tirée. Not me. I need a break from Est-ce qu'on peut aller la trouver? Get some sleep too, Dana. Mais oui, qui était morte. Il y a Jimmy qui arrive et qui retourne le couteau dans la plaie. Oui, qui était morte, bordel. Oh, Trevor is a sweetie. Good for Dana. Alors, j'ai pensé à toi toute la journée, je sais que c'était horrible pour toi. Je n'ai rien d'intelligent de pouvoir dire, mais je veux que tu saches que tu étais une amie géniale pour Kate. Elle aurait eu besoin de plus d'amis comme toi. C'est mignon. Merci de penser à moi. J'arrête pas d'en voir Kate sous toi. Je me dis que j'aurais pu en faire plus pour l'aider. Même Max en a fait plus que tout le monde. Oh, c'est trop choupi. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. J'espère que tu vas bien auprès aujourd'hui. Je veux pas déranger, mais j'écris un article sur Kate pour le journal. Je veux savoir si tu pourrais répondre à quelques questions. Putain, mais Juliette, calme-toi, quoi. Juliette, voilà, c'est bon quoi, elle est. Yes, the Vortex Club does indeed suck. This is both sad. Ah oui, c'est le papier de machin. Y a pas une photo à prendre avec un espèce de trophée là ? Ah, c'est pas ce trophée là, mais. Y a une photo à prendre avec un écureuil qui regarde des lucioles par contre. Oh, Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time, going through her shit. Ah, intéressant. Salut Ned. Faut-il avoir vu les deux premiers épisodes C'est mieux, oui. Enfin après, si je pense que ça reste compréhensible, hein, mais si t'as des problèmes de compréhension, tu peux me demander. D'ailleurs, je peux faire un petit résumé, mais en gros, ce qui se passe, c'est que donc je suis étudiante en photo dans une académie, et en gros, il y a des problèmes, quoi, parce que. Il y a une fille qui a disparu. Il y a une fille qui a disparu et donc il y a plein de gens qui a semblé la connaître. On ne sait pas trop qui a fait le coup.
puis là il y a une fille qui s'est suicidée parce qu'elle était harcelée, et on sait pas trop pourquoi les gens lui en voulaient, etc. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Et donc là on cherche des preuves. Portrait d'une bande de cons. Et là on cherche des preuves en fait de... que Kate, voilà, qui est là à droite, des preuves qu'elle a été droguée par un mec à une soirée où elle a fait un peu n'importe quoi et qui a mené à son suicide. Tu peux rester pour augmenter le nombre de viewers, c'est ça. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Combien elle a payé? $30. Pour récupérer vos vêtements le vendredi 11 octobre. Ah, je pourrais les récupérer pour récupérer les vêtements. She's a geek. Brille dans le noir, Blueberry. Voilà, trop bien. Victoria's Secret. D'accord. J'ai compris la blague. Maybe Victoria isn't a monster after all. Ah, qu'est-ce qu'il a envoyé? Victoria Taylor. Coucou Sweetie. Je suis en train d'ignorer les devoirs de science méga chiant. Comment veux-tu qu'on s'en sorte à ces putains de devoirs quand on vient de faire quelqu'un sortir du toit? Je crois pas qu'on ait vu ça en live. On se serait cru dans une émission de télé-réalité. Le campus a jamais été. Je me sens vraiment merdique pour tout ce que j'ai dit sur Kate. Bah oui. Oui. On appelle les autres, on se retrouve ce soir, on s'en fout du couvre-feu. Miss Victoria a besoin d'un bon cocktail. On trinquera à Kate. Moi aussi, je me sens nul. Bah vous pouvez, hein. Vous pouvez vous sentir nul, les filles. C'est comme un thread pour sociopathes. Max Crackfield? Lame. Ah, Nathan. Party on, dudes. Max Lapoufias, cette tête de gland émo a fait suspendre la grosse salope. T'y crois, toi, mon père est pourvu du putain de dortoir et souche avec ses selfies. Mais vraiment, péter un câble et menacer de me filer un putain de taf au bureau de mon père. What the fuck? T'es sérieux là? C'est des conneries! Pas moyen que tu te fasses envoyer de Backwell! Je savais que Max allait nous faire chier, à deux éleveurs. Dès que je l'ai vu faire sa lèche-cul et que je me suis fait faire ça, je jouais ses... Et oui, le Vortex Club apportera la fin du monde à Blackwell quoi qu'il arrive. Je t'envoie texto. Un rendez-vous complot. Ah, Victoria, c'est un peu une garce quand même. Hein. Enfin, beaucoup même. Eh bien oui, tu peux rester. Hein. Si t'as... si y a un truc que tu comprends pas, n'hésite pas à me demander. Je te ferai un point. En gros, il y a plusieurs mecs un peu, enfin des gens un peu connards. Quoi. Victoria, c'est un peu une gare. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Nathan aussi. Nathan, c'est une espèce de dealer de drogue qui veut me tuer en gros. Victoria is about as street as me. Et là, j'essaie de trouver des preuves de je ne sais quoi d'ailleurs. Wow. I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Donc là j'ai fouillé à peu près tout, mais je ne trouve pas grand chose en fait. Donc je suis pas sûr de ce qu'il faut trouver. Je crois rien, donc on va sortir. On trinquera à Kate. Bah oui, c'est un peu abusé. Hein. Y'a quoi sur mon adresse? I hope Kate finally has her wings now. Kerouac. Oh, la meuf casse Kerouac. Quel hipster. Comment ça, je ne l'aimais pas? Mais si, je l'aimais bien. C'est quoi ces affaires là? That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party. Bon, barrons-nous parce que voilà. Why you no pick up my calls? Y'a un mème. Il y a un mème sur l'ardoise. C'est fou ça. Miss you, Kate. Bon allez. Ah bye, Jimmy. Des lucioles. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Une photo à prendre avec des lucioles, un écureuil. Ah, c'est ça, la photo qu'il faut prendre, non? Oh, the most magical insect. Photo de l'écureuil. Photo de l'écureuil. Non! Il s'est barré, je rewind.
Ah mais il se barre quand je viens trop près en fait. La photo là, la photo, allez la photo là. La photo putain. Elle est sous de ma gueule ou quoi? Ah il faut le prendre dans l'autre sens peut-être. Genre comme ça, non? Et mise barre si je suis trop près. Bon, fous-moi la paix l'écureuil parce que voilà. The Tabanka does look pretty scary at night. Je me sens mal parce que je n'ai pas réussi à passer pour un héros monstre égocentrique. Non, pas du tout, en aucun cas. Bouge-toi le cul et vite. Ben j'arrive. Calme-toi. Maybe Samuel should fix that lamp. J'arrive. Oh merde. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Ah, il se pose là, quoi. Il va me choper, hein. Bah, tant pis. That smart son of a bitch has me trapped. So, when Kate Barsh's family is in mourning, they'll probably sue the Academy right out of Oregon. Now I understand why the students call this place Black Hell. Black Hell. Ah, du coup, je peux pas passer là. Faut que je balance un truc quelque part. Pas un truc à jeter, je sais pas. Mémorial. Jesus. I still can't believe she jumped. Ah, il y a une hache dans le machin là-bas. Je vais prendre la hache et tuer le proviseur. Oh, it's unlocked. I hope Samuel isn't around. Hop, je prends la hache. Ah non, je peux pas. Nothing here. Ah bon. Affaire de fille. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Ouais, mais Samuel, il est un peu flippant parce qu'il a des affaires de fille et tout quoi. Who knew Samuel was so into runway fashion? Non. Peut-être que c'est un serial killer en fait. On sait pas. Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. Bon, y'a pas un truc à... Tiens, la boîte à outils, là. Bah oui, mais prends-les et balance-les sur le proviseur, non? T'es sérieux? Y'a rien à prendre là-dedans? Il m'a vu. Maybe I could sneak by when he was trying to open the door. Quoi? Ah mais oui, c'est vrai que je peux... Je peux remonter le temps. Comment ça, il m'a vu? Mais non, mais pas du tout, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, en aucun cas. Ah, mais il est plus là, le proviseur. Ah, si, là. Allez, barre-toi. Voilà, et hop, je passe en scred. Max the Ninja strikes again. C'est vrai que comme le jeu ne m'a pas donné la possibilité d'utiliser mon pouvoir au moment le plus opportun, j'oublie que je l'ai. Non mais c'est parce que tu entends un peu ce que tu veux avec ça. Tu entends ce qui t'arrange pour finalement m'enfoncer à chaque fois. Booyah! Oh putain de sa race. Get it? Booyah. Putain, mais j'ai peur, la salope. We're like a scary, sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. Oh, quel con. I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but... Oh là là, non mais... Ah, je supporte pas ça, en plus, les jumpscares dans les jeux, c'est horrible. All because my power didn't work. It didn't mean shit.
I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? I hope so, Chloe. But how? Snow and Eclipse are bad omens. This whole town is a bad omen. And notice that Blackwell seems to be ground zero. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Qu'elle doit dire. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Oh mais, focus oui. On looking for clues, okay? Je dis ça pour déconner avec ça, moi. Je trouve ça aussi très très intéressant d'un point de vue du gameplay de te retirer ça juste pour cette séquence, justement, quoi. C'est très intéressant, mais... J'utilise ma mauvaise foi habituelle, évidemment, pour me dédouaner de... À propos de Rachel... À propos de Rachel, tiens. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody. Even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. Maybe too much power. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. Il déteste complètement, you are such a boss, Chloe. Kate. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Bah, moi, je m'étais pas trop attaché à Kate au début. Mais dans le deuxième épisode, tu t'attaches beaucoup plus à elle, en fait. Mais d'un seul coup... Oh là là. Hopefully, the rest of the class will follow your lead. Oh bah tiens, dis donc, ah, voilà. Parfait. La photo, là. La photo du Kiss. La photo du Kiss. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm like still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I bah, je devine mal là. Putain, mais quelle hypocrite. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. Oh là là. You already love my work, so it's not like you're playing favorite. C'est une PUA, en fait, elle. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. Ouais, mais... That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to take my photo for favors or something. Okay. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Allez, là, on la prend en flag et on l'humilie. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. Oh yeah. You know it. Chloe's Keymaster. Dude, I don't know about this.
We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Si j'ai la clé, finalement, j'ai le droit d'entrer. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. Ah oui. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. C'est vrai que je peux rewind, mais si je saigne du nez, non. Come on, one more door and our work here is done. Je peux me balader un peu d'abord ou pas? No trophy will help Blackwell's reputation now. Mais c'est pas ça qu'il faut prendre en photo là? Avec un petit reflet du flash moche, non? Non. A long time ago, Nathan got smacked down. Oh, les copies d'examen. Only a B minus? Warren has shattered my faith. Of course, I'm barely passing science. Peut-être que je peux changer la note, non? Oh, changer la note. Allez, je change la note. You deserve way more than this for taking on Nathan. But every little grade. On a mis un B plus, non ça? Yes, I like this plus better than that minus. Ouais, ça va, c'est pas bien méchant. Ass biology. Oh, gross. Ah oui. Periodic table. Wish I knew what periodic means. Bah c'est je sais pas. I never said they were great, troll. Max takes shitty selfie. C'est pas très sympa hein, de dire ça. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, fish fish. Ouais, trop bien. Je vais prendre des poissons photo. Ah oui, la photo des poissons. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes l'amour tendre. Mais comment c'est pas. Nice work. Nice. Attends, je vais éteindre quand même parce que. Please resume your slumber. Voilà. Je ne suis pas passé ici. Personne n'est passé. Je n'existe pas. Une cigarette? Mais what? Ew, gross. At least switch to passe aux cigarettes électroniques. Wow, deux photos en à peine deux frames et j'en ai raté une. J'en ai raté deux. Bah oui, l'écureuil à la con. Hein. Ah ouais, je sais pas, bon, j'ai changé la note et puis tant pis. Hein. Peut-être que la prof s'imaginera qu'elle a fait une erreur et puis voilà. Par contre, les fenêtres sont ouvertes donc. Le portable qui fait de la lumière à l'intérieur, ça se voit en fait. Photo du concours. Oh, oui, je vais pouvoir tricher. Oh Kate, even when you were sad, you tried to see the good in the world. Wow. Daniel's a better illustrator than photographer. Said Max, the art critic. Victoria, that is pretty fucking sweet. C'est moche. How can I hate somebody that shoots like that? C'est moche, c'est moche. Regardez. I feel gross even looking at Nathan's work. But he does have some style. Mouais. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ah, c'était la figurine de Weeb. Oh, je suis deg. Tant pis. J'ai raté le Weeb. La Weeberie victorienne.
Tu as arrêté de fumer depuis un mois, c'est bien, Ned. GG, comme on dit. Dans le jargon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, elle est en train de m'attendre dans le bureau, elle. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. C'est quoi ça? She'd shut his ass down fast. En tant que chef de la sécurité, ma responsabilité est d'assurer que j'ai toutes les précautions possibles. Nya, 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 nya. Ah oui, donc c'est pour lui demander d'arrêter sa pétition. Là. Ok. Un chapeau de chasse. Bon, elle trouve la clé là ou pas? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. Ah, il y a pas la clé. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking. Thanks. Ah, d'accord. Frank, I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this. Wow, d'accord, elle allait. Well, you could look for the key. Just in case. Les machins et tout. Why, de voleurs, quoi. De comment là? Bah, il y a les clés juste là sur le tableau. Here are the keys. None for the principal's office. Yeah. Dans le chapeau, non? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Ah, dans le tiroir peut-être, non? Crap. Yeah. Dans ce tiroir là peut-être. Boring. Nope. Dans le tiroir d'à côté peut-être. Dead end. Nope. Dans le premier tiroir peut-être. Nothing here. Toujours nope. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. Bah, j'ai pas de meilleur plan, hein. Hey Warren. Bah, l'appelle qui là? Warren? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No, I'm just asking. Je demande juste comme ça. Thanks, science guy. C'est pas du tout flag, ouais. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Wow, on va devoir construire un. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. Une clé ou je ne sais quoi. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Alors, qu'est-ce qu'il faut? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. Qu'est-ce qu'il faut? Alors. Oh là là! Attends, c'est super compliqué. Vous avez trouvé 4 objets, du sucre, une canette. Du sucre, une canette, du ruban adhésif. Et du chlorate de sodium. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fous le sucre dans la canette. Je fous le chlorate de sodium dans je ne sais quoi. J'attache ça. Ah non, oui, ça c'est dans ces ingrédients. Je... Ouais, ok. Ok, bah allons-y. Donc du sucre, du ruban, des scotch. Il n'y en a pas là, du scotch? Dans les fournitures, là, non, il n'y a pas. Dans un bureau, normalement, il y a du scotch, hein, mais bon. Warren is such a classic. Petite bombe artisanale, tranquille. Let's see if I can find those au items. Calme. What do you know? Trash. Wow, super. Peut-être là il y a des trucs. Il y a quoi là? C'est quoi ça? Non. Il doit y avoir des trucs dans le labo.
Just emptied. Nothing here. Là, il y a rien dedans. Dans le distributeur, tiens, il y a pas un truc. Release the Kraken. Ah bah oui, une canette. Bah voilà. The Kraken. It's all mine anyway. Trop forte. J'adore ces jeux de mots. Only three more items to go. Dans mon casier, là, il y a pas un truc. Il est où le casier? Il est pas là. Casier de Kate. Oh, Kate. Your locker looks so lonely. Ah, c'est le casier de Kate, pardon. Mais dans le mien, il y a pas un truc. Osef. Alors, regardons dans le labo. Ouais, je fais ma petite bombe et puis ensuite je vais aller me coucher. Parce que... But this is so not sodium chlorate. Bah oui, j'imagine bien, mais... Ah, livre de science. So, sodium chlorate is a weed killer. You'd think Warren would have told me that. Un désherbant. Ah bon? Le désherbant, il doit y en avoir dans le... This mixture doth not work. Dans le tout le shed, là-bas, dans le truc de Samuel, non? J'imagine. C'est un jardinier, le mec, plus ou moins. Ah, il y a du sucre, là, tiens. Ooh, sugar. Donc là, il y a du sucre. You're halfway home, Max. Il me manque quoi? Il me manque du chlorure de machin, là? T'as explosé ou quoi? Non, mais calme-toi. Il me manque du scotch et du chlorate de machin. Du scotch, il y en a peut-être là dans cette. Dans ce, merde, c'est où? Sinon, toutes les affiches sont accrochées avec du scotch, en fait. Donc, This is like a scene in a horror film. Je vais. Oh là, pardon. Les photos, ouais, non. Les clopes. Ah, du ruban adhésif. The tape is mine. Donc il me manque juste le désherbant. Only one more ingredient left. Où est-ce que je vais choper le désherbant? Est-ce que je peux retourner dehors en fait? C'est ça la question. Ah non, je peux pas. Hein. Je peux pas retourner dehors. Bah oui, mais du désherbant. Ah, Lost and Found, là, non? Non. Bathroom, non. You have to be shitting me. Salut, Aina, coucou. Où est-ce qu'il pourrait y avoir du désherbant? Attends, je réfléchis. Pas des photos à prendre, non. Là, il y a des affiches. C'est le jeu de Will Smith? Ah bon? Gross. I hate that formalin smell. Max, if you can't find sodium chlorate in the science lab. Bah oui, c'est quand même problématique. Hein. Il doit y en avoir. Hein. Tiens, le tableau périodique là. Periodic table. Wish I knew what periodic means. Il doit y avoir une armoire avec tous les produits là, non? Attends. Non. Y a plus une armoire avec tous les machins là? Putain, mais c'est où quoi? Ah, du désherbant là-haut. Ok. Here's the sodium chlorate box. Et comment je le prends? I probably should find those. Bah oui, mais parce que c'est la gueule. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Oui, c'est vrai. Use the damn chair. C'est vrai. C'est pas con ça.
Ah, Fatal Frame, oui. Bon, c'est bon, j'ai tout, là. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Max is the bomb. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Literally. Yes. Time to blow shit up. Putain, on va tout faire péter. You light the candle. This is so cool. Parfait. Get ready to haul ass. Wow. Bah, génial. That was so fucking cool. Oh merde. You're toast. Here comes the whole Arcadia Bay fire and police department. So what should we do? Bah je rewind, non? Si je rewind, je garde la porte ouverte, mais les flics viennent pas, non? C'est pas ça l'idée? Ah non. Ok. Take it easy. Ok. Bah je sais pas ce qu'on fait, on y va, allez go. Go, on cherche un peu là vite fait, je sais pas il y a quoi à prendre là, dans le bureau. Il y aura des trucs à prendre, non? Sur l'ordi ou dans le tiroir, là, non? Dans les dossiers, là, il n'y a pas des trucs? Ouais, mais les flics vont arriver, là. Bah oui, bah c'est évident que... Ah, ça sonne plus, du coup. Bah y'a rien à prendre ou quoi? Je comprends pas. Et les dossiers là hein? Ah, peut-être là non? Non. Quoi? Ah oui d'accord. Ah c'est trop bien. Ah oui, ah c'est trop bien. Welcome to my domain. Oh là là, ah bah oui. You are mad. Putain, c'est génial. I have no clue how the hell you got in there, but you did it. Ah, j'ai pas capté du the tout. Company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Il n'importe qui devient social justice warrior. See why the principal locks this room up. Fancy faux art crap. He must want everybody to know he has money. But no taste. Oui, j'ai pas capté, effectivement, tu rentres à l'intérieur, puis t'annules la bombe, et tu déverrouilles. Tranquillou. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? Oh, l'oiseau, il faut prendre la photo de l'oiseau, je crois. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly ass desk. Les passwords, je les brute force. Ok, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel. Allez, oui. Kate, Nathan, anybody. I'm on the case. Allez, on va trouver des trucs là. Donc déjà, je prends la photo du piaf. You're not so tacky up close. Elle prend la photo? Y'a pas une photo à prendre là? Ah non, attends, il a des trucs au. Il a le collier de Micheline là autour du cou. Dude, I know I shouldn't be going through the principal's files. Y'a une photo à prendre. Now's your chance to get revenge on. Ah bah non, je vais pas dire ça. Oh, yeah, je vais pas dire I'm ça. So bummed I don't get to party with the Vortex. Non, je vais pas dire ça. There's still time, especially with you around, right? Don't talk, search. Oh, I like it when you get bossy. You're finally learning from the master. Ouais. Photo. Chloe, say hello to my little friend. Say goodnight to the bad guy. Nice. C'est bien ça, d'avoir une photo dans le. If I would have signed the petition,
I could have made the difference. Ah bon? Votre pétition contre le nouveau système de surveillance n'a pas reçu assez de signatures et une petite poignée près. Je reconnais moi-même la nature controversée de ces caméras, c'est sûr qu'elles sont installées en utilisant le plus grand respect de la vie privée. Ah ouais, j'aurais peut-être dû signer en fait. Ah, le père de... Au vu des récentes accusations ridicules contre mon fils en envoi, il me semble que mes contributions financières doivent aussi être suspendues, évidemment. Bien entendu, cette situation pourrait être rectifiée dès que Nathan réintégrera Blackwell et recevra une lettre d'excuse. D'autre part, je comprends tout à fait que les événements tragiques autour de Mademoiselle March vous donnent à réfléchir, mais je dois rappeler qu'annuler la fête de jeudi est à l'encontre de l'esprit confiant de l'Académie Blackwell. Oui, c'est ça. De rassembler les preuves de ses propres faits et gestes, ses propres délits, c'est très très intelligent. Comme de se balader sur des rails, en fait. Hein. C'est un peu Rachel de même... Rachel ne semble pas troublée en base sur tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup ici sur l'investigation de la police. Elle a cessé de venir en cours depuis le mois dernier. Hein, l'exemple parfait de l'élève. Hein. Résultat scolaire brillant. Populaire. Disparition. L'enquête était officiellement fermée. Man, I don't blame the principal for expelling Chloe. Bad Chloe. Bad Chloe, ah ouais? 1,7 sur 4 de moyenne. Une élève problématique. Elle fait rarement ses devoirs et fait preuve d'agressivité. Des gestes obscènes. Une élève intelligente, mais elle persiste à le gâcher en se rebellant. Only two more files to go. Weird. This asshole has a spotless record. Ah, Nathan, très bien. La tradition historique de sa famille à l'Académie Blackwell avec un dossier académique brillant. Like I'm not gonna read my own personal file. Voilà, le, c'est mon personal file. 2,8 sur 4. Max est une élève calme et attentive. Qui montre beaucoup de potentiel pour la photographie. Malgré quelques confrontations avec le personnage, Max a aujourd'hui tenté en vain d'empêcher sa camarade Kate Marsh de trouver la mort en sautant du toit des dortoirs. Une enquête de la police et l'administration est exigeante. L'héroïsme de Max est sans conteste. Ah, quand même. Let's nab this last file, Sherlock. C'est pas mal. Tumbleweeds. Tumbleweeds. Look at this pile. Et une lampe là. Le dossier de Kate. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet, and in the wrong place. Putain, elle fait partie des meilleurs élèves, quoi. Un traumatisme émotionnel ou physique. Une enquête de sécurité est en cours au sujet d'une vidéo dans laquelle on peut prétendument voir Kate Marsh. Voir les documents joints. I think we found everything in here. I should go join Chloe now. Ok. Max, you better come check out these files. Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. Oh là là, mais Nathan Prescott, en fait, son dossier a été complètement falsifié. C'est pas du tout un bon élève. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. What? Fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. Oh, mais no, it sounds spé, like là. They form some sort of weird team, the Super Hebrews. Jesus. Super Hebrews. Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info. Let's bail.
But maybe we shouldn't leave without a gift. Ah oui. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. Oh, le sheep. We should definitely get out of here. We've pressed our luck enough. Hello, what have we here? Oh, du fric. Holy shit! Jackpot! Cha-ching! Wowzer. That's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This'll chill him out after our knife showdown yesterday. Ah putain, est-ce qu'on vole c'est la question, c'est est-ce qu'on vole l'argent des handicapés? Ah putain, non. Mais non. T'es sérieux là? Putain. La question c'est, est-ce qu'on vole l'argent du fonds handicapé? Oh non. Mais c'est abusé quoi. Mais non, je vais pas tirer dessus. Quoi? Non, pas du tout, ça veut pas dire que je doute. Ça veut dire que... Peut-être que finalement, je me dis que peut-être que le proviseur est corrompu et que cet argent... Il ne le donne même pas aux handicapés, peut-être qu'il veut le garder pour lui, c'est de l'argent liquide en plus. Attends, ça lui ferait les pieds quoi. Mais bon, c'est les handicapés. Ah, il faut que je laisse l'argent hein. Ou bien je pourrais faire semblant de ne pas avoir lu ce qu'il y a marqué sur l'enveloppe. Ouais, je laisse l'argent. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? Ou alors prends la moitié peut-être. In that horse choking wad of cash. Ou prends genre 1005. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. I know that money would have helped Chloe and me. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish splash? Splash splash? We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Splash splash? Mais elles ont genre le maillot dans le sac et tout quoi, elles ont prévu. We're in the otter's lair. Oh les loutres. It's a fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. I would love a soda, but I just get wired. Go Otters. Go Otters. Go Otters. I hope the Otters will survive. If only I could solve the mystery of the missing cat pics. Ah, c'est toujours celle qui recherche la tablette avec les photos des chats. Oh là.
I actually don't have the time to investigate this caper. Boys or girls? Quoi? Bah côté fille, non? C'est vrai que tout à l'heure j'avais une annonce pour une tablette avec 3000 photos de chat dessus. Ah mais oui! Ah putain, mais oui, c'est vrai! Et je n'ai même pas noté qui vendait ça. C'est vrai. Côté garçon, ouais. Boys, of course. Figures. Perv. Je sais pas pourquoi j'ai... check to see if the pool's heated. Ah, peut-être dans les women, j'aurais pu trouver des indices ou quoi, non? C'est vrai que c'est un génie, le mec, hein, qui veut revendre un maillot de Zachary. No way am I touching Zach's jersey. Oh, un portable. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Ah. Wouah, Victoria qui est en train de sexter Zach. J'ai dépensé coquine. Stylé, t'es habillé comment? Ah, je porte juste mon collier en cristal et mon téléphone. Chaud. Et toi? Je suis dans les vestiaires, je porte que mon maillot de foot, assis sur mon ballon. Oh ouais. Très bien. Betty developed that in Jefferson's class. But why? Parce qu'il a envie de tout. Envie de choper. Some poor hipster lost their vape. Fouillons les casiers. Oh là là, il attend qu'il y a plein de médocs dans tous les sens. This must be for training kids. Canette là. Sometimes. Casier de Logan. I guess I should consider this evolution. Dana, je sais que je suis un sale con, mais je tiens toujours à toi. Bisous, Logan. Ah, mais il fallait y penser avant. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Sex me up. Boys locker room is right. Victoria loves the D. It's nice to know Victoria loves something besides oh, oh la bitch. Pas prendre en photo ça. I bet you do. Max is a feminazi. Welcome to 1950. Ah ouais. This one is almost empty. The guys must like their paint. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Soixante-neuf raisons pour baiser Rachel. Bros will be bros. Ok, les tags, ils sont vraiment de bon goût. Je sais pas pourquoi personne ne les efface, mais c'est beau. I don't think anybody has ever drowned here. Bah du coup on peut nager dans la piscine là ou pas? On peut aller sur le plongeoir ou pas non? Hop là. Normalement on n'a pas le droit de courir sur le bord de la piscine. J'en ai rien à foutre. Je suis bloqué. Ah, c'est les vestiaires des filles, ça? Non. Attends. Ouais, c'est ça. Là, il y a le life guard. Unité de quoi? Bouteille d'oxygène. Ah, il y a des trucs, là. Coffee and swimming. Good combo. Tiroir. Yes, we get it.
Oh là, les loutres, putain. Elles sont bien, les loutres. Don't even think I'm gonna make a move on you. Now I have the power over light and death. Voilà, j'ai allumé la piscine carrément. Ok. Ah d'accord. So the big plan is. Le plan des loutres. Gagner, gagner, gagner. Attends, je vais voir un peu le vestiaire des filles. Ooh, pink goo. Time to do or die. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Victoria Chase rules. Dire Kate à Don't Care God. A miracle to save Kate would have been nice. Super. Where does that other sock go? Le casier de Brooke. Ah. Like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Oh là là, mais c'est pas possible, elle veut totalement me piquer mon mec. Mais quelle garce. C'est la pire Brooke en fait. Hein. Those are some musty ass old shirts. Yuck. Un sachet d'herbe. Was Chloe here? Ah d'accord. On traîne comme ça. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Alors, avec Sam qui commence à critiquer, alors une seconde, j'ai pas lu. Victoria's secret is... Oh là, elle se fait des selfies! Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Go fuck your selfie! Donc, avec Sam qui critique, alors qu'est-ce qu'il dit? Mais je veux pas sortir avec Warren, j'en ai rien à foutre de Warren. Elle le kiffe à fond et toi tu dis qu'il est lourd et tu veux pas qu'ils soient ensemble. Mais si, je veux bien qu'ils soient ensemble, mais elle veut me piquer mon mec quoi quand même. Oh yeah baby, it feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Ouais mais les handicapés. Stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie! Okay, you asked for it. Oh là, elle a des sous-vêtements dépareillés. Le chip. Why look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. Ouais, c'est bon, ça suffit là. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out why for Kate's sake. She didn't deserve to die. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Thank
God. But what if I had? What if you and Kate would both be dead? So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? I don't know. Well, I do, okay? So, just listen to Captain Chloe. I'm trying. Un peu trop bossy, quand même. As long as we don't waste this power. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. C'est toi la punk fatale. Dégoûtant! Dégoûtant. Ew, I don't want any Blackwell bros over me. There's a couple cute guys there, but they probably think I'm a total nerd. Nerds are hot. You just don't have any confidence yet. Unfortunately, that didn't come with my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Ouah, trop mignon. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Bien, surtout avec des sous-vêtements trempés, quoi. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Oui, évidemment. Hide! Vite, vite, on se barre, vite! C'est où la sortie? C'est où la sortie? Elle est où la sortie? Elle est là. Move, Max! Don't waste your power on getting busted! Oh merde! Merde! Dude, hide! Like when we were kids. Mais je me cache où? Use my power, or just look for a hiding spot, or both. Where are they? Dans les chiottes, peut-être. Hello? Ah non, il va chercher dans les chiottes. C'est obligé qu'il cherche. Hey! Merde! Where are they? Hello? Putain, il est là. Hello? Anybody there? Non, non, il y a personne. Merde. Non, non. Not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Non, 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 il y a rien. Non, 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 il y a rien, il y a rien. Non! Ouais, mais ouais, elle s'est planquée où, elle? Ma pote, là, elle s'est planquée où? Si je me fous là-dedans. Il me voit pas, là. Dans la dernière bousse. C'est impossible qu'il me chope, là. Hello? Merde. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Better not try any Halloween pranks after today. Serious. Donc là, je passe par là. I heard something over here. Et là, je vais par là.
Y'a quelqu'un là? Non. Oh putain. We are so invisible. Mais vite, casse-toi. Oh là 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 là. Comment ça se fait que Belle de Soi s'est fait time out encore pas Moubot? Wait, turn around. They're coming. We have to find another way out. Oh, this is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash where the Blackwell security officer lives so I'll be safe? Okay. Into the car. Oh, putain, il est là-haut. Get in. Later, fuckers. Max, you rock. We are so fucking awesome. Yes, we so are. We're awesome, Max. Je m'étais où? Ah oh oui, je vais prendre un selfie. Always remember this moment. Photobomb. Ah, trop mignon. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. I wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Waving at the taxis, they keep turning their lights off. I'm so wiped out from last night. En fait, dans cet épisode là, on voit quasiment pas les autres persos en fait. Donc Kate, en fait, on l'aurait même pas vu quoi. Finalement, le fait qu'elle soit morte ou qu'elle soit vivante, ça change. J'ai l'impression que ça change pas grand chose en fait. Enfin, il n'y a pas le mémorial devant la porte, j'imagine. Je ne suis même pas sûr qu'elle reste à Blackwell, en fait, si tu la sauves. J'imagine qu'elle va dans un hôpital ou un truc dans le style. Je ne sais pas, on vient de la chercher, je sais pas quoi. Donc s'il faut, ça change pas grand-chose, en fait.
Elle a l'hosto, oui. Moi, c'est ce que je me disais. Donc, en fait, dans tous les cas, elle disparaît du... Elle disparaît de la narration, quoi. C'est ce qui est logique, parce qu'ils peuvent pas... Enfin, autant tu peux faire des petits embranchements, mais tu peux pas construire deux jeux complètement différents avec... Enfin, c'est impossible, quoi. Enfin, c'est concrètement... ce serait deux jeux complètement différents, en fait. Donc, Bah, si, ça change, mais c'est... Ça change pas énormément de choses. Elle est belle cette séquence, mais elle ne finit jamais. Ok. I need to get dressed now. I don't think I'll be moshing today. Pour goûter. Ah, j'ai des messages de Warren. Bomber Max. Mais on est toujours le 9 octobre, je comprends pas. Ah oui, on est le mercredi là. C'est ça? D'accord. Donc on est mercredi matin. Apparemment tout le monde veut le drive-in, alors jette les billets maintenant. Je suis occupé du popcorn. Ouais, mais vas-y avec, avec Micheline là, non? Avec Brooke. Peut-être. Man, if I had stayed hidden, David wouldn't. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. Mais vu que j'ai pas fait le jeu sans la sauver, je sais pas à quel point ça va impacter. Et oui, du coup, oui. Oui, c'est vrai que du coup, toi, tu as le vraiment les deux. Les deux visions, quoi. Ah, c'est ma photo. Oh là, elle a des capotes dans son trou. Don't be a dummy, cover your willy. That was my 10th birthday. Trop mignon. I didn't know Chloe kept this stuff. Je n'arrive jamais à faire des choix différents, donc je le fais qu'une fois. Ah oui, mais moi aussi, hein, je le fais qu'une fois. Je vais pas le faire de plusieurs fois. Hein. Au pire, je regarderai les autres embranchements sur Internet ou quoi, mais... Moi aussi, j'aime bien les jeux comme ça. Ça me satisfait de... I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my pot. S'habiller. Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Oui, ce serait bien. Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase. Among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue you. Ah oui, Mass Effect. T'as flashé sur Rachel? Elle est peut-être bi? Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer, and she wanted to be a model. Mm-hmm. If you want, go ahead and check out the closet for some fresh clothes. Okay. Time for some Chloe cosplay. Je peux choisir mes fringues ou pas? Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. Your inner punk. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try.
Oh là là, ça arrive. Zevranou. Oh, merci pour le follow, Zevranou. Oh là là, mais oui, mais totalement, complètement. Mais évidemment. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Rien à foutre de Warren. Putain. Girl and girl action. Je vais le recaser avec Brooke. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Je vais lui refaire un kiss, je sais pas. Take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? Oh là là, c'est tellement le ship. Ah ça y est, je suis tellement saucé par le chip. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take the money. Oh là là, Frank, il est trop bizarre. Hein. Best episode ever. Hein. Oshigaki. Mais oui, ça devient chaud. Waouh, je suis tellement punk. Sick, Max, a couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit? Tearful Turtle, merci pour le follow. Des gros bisous. Tellement bien ce jeu. Bah oui, il est très très bien. Il est très très prenant, du coup. C'est vrai que j'ai la classe comme ça, j'aime bien ce petit style, hein. La petite chemise Abercrombie là. Check you out, Max. Ready for the runway. Go downstairs and parfait. She'll love it. On est prêt pour le swag, c'est parti. Salut Maxi Kinder, j'ai aussi profité de la Redux Steam. Oui. Non. Enfin, j'ai pris le premier épisode gratuit. Qui est gratuit sur Steam, et puis j'ai aimé, donc j'ai pris le reste, mais c'était pas en solde en fait, donc je l'ai payé pas plein pot, je l'ai pris sur Games Planet, donc ça, je l'ai pris à 16€ je crois, au lieu de 20, ou 17 au lieu de 20 je crois. Qui est-ce qui m'envoie un message? Mademoiselle Coffee, je tiens à vous remercier de vos actions envers ma fille Kate. Ah, c'est le père de Kate. Vous avez fait preuve de grâce et de courage en montant avec elle sur le toit. Vous avez fait tout votre possible et que la vie de Kate n'était pas entre vos mains. Elle nous a quittés pour un monde meilleur, mais sera toujours avec nous. Et je sais qu'elle vous souhaite une vie bénie, longue et dynamique. Notre famille vous inclura toujours dans nos prières. Paix et joie, Richard Marsh. C'est beau. C'est très mignon. Coucou Epix. Salut. Est-ce que je vais faire tous les épisodes cette nuit? Non, je ne pense pas. Là, j'ai déjà fait le deuxième épisode. Darkao, merci pour le follow. Mais il y a plein de monde qui arrive. Coucou, salut à tous. Salut à toutes et à tous. Je vais sans doute pas faire tous les épisodes cette nuit. Non, je pense que je vais dormir un moment. Il y avait 25% ce week-end. Mais tu déconnes, sérieux? Putain, je l'ai raté de peu. Coucou Dunoite. C'est vrai que tout le monde regarde le nombre de follow, je sais même pas où j'en suis là. Mais oui, c'est comme on est près de 1000, alors évidemment c'est le la course à l'échalote, bien sûr. Ah, fin du stream de MV, d'accord. Lala, Arsenic, merci pour le follow et bienvenue à tous. Bienvenue aux arrivants. J'ai pas vu ce poster. Putain, mais Arsenic, il follow deux fois de suite. Incroyable. Quel génie du follow. Comment fait-il? Cet homme va vous étonner. C'est vrai que je n'arrive pas à lâcher le jeu. J'ai fait le deuxième épisode. Je pensais faire uniquement le deuxième épisode ce soir. Et finalement, j'ai lancé le troisième. J'avais dit que je m'arrêtais, et en fait, je continue. West Wild, merci pour le follow. Oh, je me brosse les dents avec la brosse à dents de Chloé. Ah non, mais en fait, c'est mon truc qui est complètement pété. La West Wild aussi, qui est lancée deux fois. A priori, l'alerte follow est complètement buggée. Un Rimbauton 3 pour les un cafolo, j'en avais parlé. You know,
I haven't gone through a dyeing my hair. Ah oui, une phase cheveux bleus, mais totalement, c'est le moment ou jamais. Maybe it's time. Faisons une phase cheveux bleus. Pas de douche. Une photo, un selfie. Ah, c'est juste les malins qui unfollow, refollow. Mais je crois que ça marche qu'une seule fois, il me semble. Enfin, ça marche qu'une fois par... Par jour, je crois. Ou par stream, peut-être. Je sais plus. Descendre. Du coup, là, j'ai continué un peu. Et puis... Donc là, je suis dans le troisième épisode. Je pense que je vais aller jusqu'à la fin du 3. Il est déjà 4h15, quand même. Ça fait un peu tard. Oh là là, il y a ma maman. Ah non, c'est pas ma maman, c'est la maman de ma copine. Good morning, Joyce. Rachel. I mean, de ma besta. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Merci pour les follow. Hein. Bienvenue aux arrivants. Moult bisous. Ah oui, du coup, MV jouait sans doute à... Je veux des œufs et bacon, bien sûr. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys MV faisant sans doute du Isaac, j'imagine. Eggs and bacon. So fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. I can handle eggs and bacon. Eggs and bacon, y a quoi là? C'est les œufs qui sont là? The eggs always come first, as Joyce used to say. Oh là, le name dropping de Joyce. C'est ouf. Ah non, d'accord, c'est Joyce. C'est elle. Je pensais qu'elle citait. Je pensais qu'elle citait James Joyce, l'écrivain. En fait, c'est moi qui fais du name dropping. I should evolve and become a vegan, but. Ah, ça c'est vrai ça. C'est exactement ce que je me dis à chaque fois que j'ouvre le frigo et que je vois de la viande. Je me dis, je devrais vraiment devenir vegan, mais le bacon c'est un peu la vie. Donc tant pis. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. Ah là, ça spoil la minima. J'ai pas vu passer de petites indications. Oui, de spoiler pas. Hein. Such a sweet girl. La, 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 la. D'une ouate. Mais d'une ouate, il y a follow aussi. Il me semble déjà. Non? Bisous d'une ouate. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Hollywood. C'est vrai que ça mérite la découverte. Hein. C'est vraiment très très plaisant. Est-ce qu'il y a une dispute entre Rachel et Chloé? Rachel a des ennuis, Rachel va bien. Rachel a des ennuis peut-être. I hate to even think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. Bah disons qu'elle a été enlevée quoi, enfin elle a disparu quoi. I watch those awful true crime shows and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Bah oui, ça y est, je suis jaloux de Rachel là. Peut-être. Maybe. On ne sait pas. Rachel was so much cooler than me. Le ship. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past time? Ouah, trop bien, on découvre Doubt des trucs it. Là. Did she really? 5 years ago feels like a thousand now. And that makes me what? A century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that. Joyce. Voilà, a breakfast fit for voilà. Us queens and a king. Go sit at the table. Pas obligé de devenir full vegan, je peux réduire et être raisonnable, c'est vrai. Je pourrais réduire, manger de la viande à foison. Bah oui, il y a plusieurs possibilités, hein. C'est vrai que... Ah, et balle de sang qui se fait encore. Time out par vos bottes, mais c'est impossible. Mais a-t-il dit Squeezie? A-t-il dit Bob Lennon? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il dit. On ne sait plus. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des photos à prendre? Un piaf sur une chaise, peut-être? Qu'est-ce que c'est ce troisième truc, là? Je sais pas. Là, il y a quelqu'un qui fait de la cuisine avec quelqu'un d'autre à côté. Je ne peux pas la prendre en photo, Micheline, là? Non.
Est-ce qu'il y a des trucs à prendre en photo dehors, peut-être? Il n'y a pas un piaf dehors, il doit y avoir un piaf sur une chaise. À prendre, merde, pardon. Il doit y avoir un piaf sur un oiseau mort. Oh, dead bird. Poor thing. Mais c'est pas que je regarde pas, c'est que... Ah oui, non, je peux pas cliquer. Putain, mais il y a des oiseaux morts partout, comment ça se fait? I wonder how these birds died. C'est dingue ça. Wouah, mais il y a 50 000 oiseaux morts! 3 dead birds lined up? That's fucking ominous. Oh là là! C'est pire que. Romulus et Rémus, hein. Birds died. Ah ouais, d'accord. On peut les prendre en photo ou pas? Non. On ne peut pas, a priori. Mettons-nous sur la balançoire. Ouais, non, mais j'ai déjà vu cette scène en fait. Donc on va pas se réasseoir dessus. Mais c'était bien, c'était une bonne idée. Ah oui, ne te spoil pas le jeu, KLC. Bah, du coup, oui, effectivement. Là, on est au troisième épisode quand même, donc. Si jamais vous n'avez pas fait le jeu. Oh, toto, il y a un oiseau qui est rentré. Où ça? Il est où? Il est où l'oiseau? Il est où le piaf? Il est où le piaf? Ben, quoi? J'arrivais ou quoi? Elle m'a bien dit qu'il y a un oiseau qui est rentré. Ah, il est là-haut. Je prends photo. La photo là. Regardez. Oh. J'ai frais. Bird, be gone. Allez, barre-toi. Fly, you fool. Ah là là, elle fait comme Gandalf. Est-ce que je peux lui balancer la bouteille du... Non. Mais je peux pas le prendre en photo. Il va bien se poser sur une chaise à un moment. Ah, mais il retourne là-haut. Il faut ouvrir la porte. Ah non, faut ouvrir la fenêtre. Forcément. C'est vrai que tout à l'heure sur le chat, t'aurais eu des gros spoils. Effectivement. C'est vrai que balle de sang. C'est vrai que tu as mute tout le monde sauf balle de sang, j'avais oublié. Ah, mais du coup, il m'entend pas. Je peux dire du mal de KLC. Enfin, ai-je vraiment besoin de dire du mal de KLC? Wow, nice, il s'est posé là-bas derrière. Attends, je vais essayer de le choper pour prendre photo. Peut-être qu'il est mort immédiatement. Il a succombé à la malédiction des piafs dans le jardin. Ah, il est là. Je le prends photo. Oui. La photo du piaf. Bum. Edit piaf. Le piaf dissident. Ah, carrément, quoi. Très bien, asseyons-nous pour manger le petit déjeuner. Petit déjeuner, la Méricorée. C'est vrai que c'était pas très très propre, c'était même très sale. Oh, le beurre de cacahuète, c'est dégueulasse. I'm glad that's creamy and not crunchy. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this. Oh, les petits œufs avec ah, mais c'est des œufs brouillés, c'est quoi? Une espèce d'omelette bizarre. C'est pas des œufs au plat, quoi. Je sais pas pourquoi les Américains, ils font des œufs brouillés comme ça, bizarre. Alors qu'ils pourraient faire des œufs au plat comme tout le monde, quoi. Ouah, elle a tout englouti direct. Mais file ton assiette, meuf. Bring those eggs and bake into my belly. Bah oui, mais finis le plat, allez. I guess nobody waters the plant here. Bon, levons-nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis bloqué? Ah. Seeing you again. Oh non, elle sort les photos. Non, mais je m'en fous. Non, non. Non, je m'en fous des photos. Non. Non, c'est chiant. C'est chiant dans la vraie vie. Et c'est encore plus chiant dans un jeu, je pense.
He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Your own cool style. Oh yeah. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this. Ah, ouais. I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Mal de sang, putain. Le mec a trouvé un moyen de s'auto-time out. Il le fait tout le temps. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do Mother. Anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Oh, elle est tellement lunatique, Chloé. Listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. Ouais, 45% de réussite quand même. Qu'est-ce que ça va par terre? Les dossiers. Hop. No shit, it needs a password. Ah oui, d'accord, elle a fait diversion. Ah oui, mais putain, j'ai du mal, c'est vrai. C'est vrai que t'as raison. Elle fait diversion. Je suis con, putain. Ah, il faut trouver le mot de passe. Alors, je vais trouver un mot de passe. Oh là là, la photo du mariage. Maybe I could try stepdad for the password. Stepdad? Je suis tellement heureux que tu sois né aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli dans la famille. Bisous, ton beau-père. Stepdad, c'est nul comme mot de passe. Hein. À mon avis, ça va jamais marcher. Je vais regarder autre part pour. Corned beef, non? Corned beef, à mon avis, c'est corned beef le mot de passe. Ah, il y a un truc là. Naturally, David would buy a heavy-duty military. I can even see the combination. That might be a useful password. 71. J'aime beaucoup le lire là. Parce que là, il est marqué. Enfin, clairement, on peut lire 7171. Hop, 7171. Parfait. Donc c'est 7171, je pense, non? Attends. Nothing in it. Putain, mais je vais tellement time out balle de sang pour 10 minutes. Ah, le cadenas. Voilà, est-ce que je peux ouvrir le cadenas? Attends. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Attends, je vais agrandir le chat parce que je n'arrive pas à suivre vos messages. Arsenic édition limite, en sortant CD. Chercher dans ce tiroir. Dans ce maudit tiroir. Ah, le numéro de sécurité. Pourquoi pas, hein. Why not? On a plusieurs possibilités, hein. I could try the license number for the password. Ah ouais. C'est vrai aussi. Tellement de possibilités. Ah non, dans le bouquin, il doit y avoir un password. Coming back home, a veteran's guide. C'est un peu comme Rambo finalement. Ou bien comme dans Taxi Driver. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Sac. That's cute. Could be a password.
tant de possibilités pour le mot de passe. Je me sens un peu comme dans L.A. Noire, en fait. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Ah, le pare-soleil. Ah, ta-ta-ta-ta. Dans le pare-soleil, il y a un truc, non? Joyce might as well have wrote, let's get married. C'est un honneur de vous recevoir au dîner. J'espère pouvoir vous reparler bientôt. Je m'appelle Joyce, au cas où vous auriez oublié. That might be a useful password. Hein? Au revoir. Comme si, us again, avec des gars. Comme si avec S-E-A. L'OST sur Spotify. Est-ce que? C'est sûr que non. C'est vrai que le miroir a raison. Le miroir a toujours raison d'ailleurs. Ça c'est bon à savoir. David has been dragging his head around since 2001. Ah putain, il... c'est un chasseur. C'est un chasseur de daims. Donc, on va tester un truc genre un truc de la famille. Allez, on va se dire que c'est un... Genre ça là, c'est quoi ça? Score. Oh là là, first try. Oh, spoiler alert. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Quoi? J'attends, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Rachel a séché les cours toute la semaine. Frank et Rachel se retrouvent encore. Hein? Rachel et Frank. Rachel évite sa chambre sur le campus, suit Rachel jusqu'au phare. Rapport de police. Rachel Amber, 18 ans, était appréhendée à 14h35 à l'Académie Vacuel. David Madsen, chef de la sécurité, a contacté la police. Donc Rachel avait de la drogue. De la drogue. J'ai pas compris. C'est quoi déjà 25-11-2008 là? C'est quoi le mot de passe que j'ai mis là? Je me souviens même plus ce que c'est. Ah, c'est là, c'est le. Si, c'est sa rencontre avec. Avec Joyce, c'est ça non? C'est la date où il l'a rencontré dans le bar. Ouais, c'est ça, je crois. Kate prend toujours le même chemin pour aller en cours. Discussion entre Kate et Dana concernant les livres pour la fête, drogue. Vu Kate avec son groupe religieux, elle connaît bien la Bible. Kate dans les toilettes, drogue. Vu Kate et Jefferson, je vais faire confiance aux adultes qui portent un bouc. Kate très solitaire depuis la fête du Vortex Club, c'est pas rendu à l'église, drogue. Tenter de parler à Kate de la fête, très contrarié, parti en courant. Coupable. Ouais. This is so wrong. Oh là là, mais c'est moi ça. Oh, creepy bastard. Mad Max, Max Factor, Noir Angel. T'as comme il me stalk, c'est abusé. Hein. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Oui, c'est ça, c'est la rencontre entre lui et Joyce. Ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre, ces briques de lait, hein. Enfin ces briques, espèce de conteneur de lait qu'ils ont aux États-Unis. C'est très très bizarre. Hein. Ça avec le peanut butter, là, c'est immonde ça, hein. Le beurre de cacahuète, de cacahuète, avec leur donut dégueulasse aussi. Hein. Bon, bref. Parlons à Chloé. J'ai cru qu'elle allait lui faire un bisou. Nice breakfast. David, you back already? Ah. I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. Il va me choper, non? What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was black whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not... Now, Chloe. J'adore les États-Unis. The loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Non, mais j'aime bien les États-Unis. Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Euh,
prendre parti pour David, prendre parti. Ah ben non, il faut que je prenne parti pour Chloé quand même. Mais effectivement, les États-Unis, c'est pas vraiment un pays culinaire. Très bonne remarque de Ubuntu 711. Ubuntu. Putain, Ubuntu, c'est pas une. C'est pas un OS Linux. Ubuntu. À une époque, j'avais installé un truc Linux. Hein. Pendant 2 jours. C'était bien. Est-ce que je prends parti pour David ou est-ce que je prends parti pour Chloé? La logique voudrait que je prenne parti pour Chloé. Mais mon envie de faire. De rentrer en contradiction finalement avec tout le monde. Me donne envie de prendre parti pour David. De toute façon, je peux rembobiner, non? Allez, je prends parti pour David et puis je rembobine. Listen, we don't know that David did anything, and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly, it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David Enough. Is. I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming? Ok. Je vais chier un coup. Bon, c'est nul, il m'est même pas reconnaissant. Ouais, ouais, non, on va rembobiner parce que il est même pas reconnaissant, lui, donc rien à foutre. Ah, mais ça profite des mécaniques. Il y a une mécanique, je l'utilise, quoi. Quoi? Putain, mais je dois tout me retaper, là? Non. Ah, si. Blablabla. Blablabla. Hop. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. Ouais, calme-toi, c'était même pas, so c'était même pas moi. Spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now. La solidarité féminine. Of course, women always stick together. Well, screw you. Ah, d'accord. David, you better go to a hotel until we figure ah, d'accord, this out. Okay. La scène de ménage. You can't kick me out of my own sous nos home. Yeux. It's Zébé. My home, David, paid for and in my name. You know the law, right? Oh, wow. I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. J'aimerais me détendre et manger. J'aimerais bien chier un coup. I'd like to take a dump. I don't want to see or hear you again, Max. Ah, oui. You've hurt me and my family enough. Ah, mais c'est la voix de Big Boss? Non? Attends. Merde, je peux plus lui reparler. I don't want to hear you again, Paz. Kaz. Max, don't be Diamond Dogs. David earned this all by himself. Understand? Je l'utilise pour pas assumer mes choix et tu l'oublies quand j'en ai besoin le plus. Ah oui, bah oui. Bon, c'est pas un choix important, faut pas exagérer. Et puis, voilà, c'est une mécanique, c'est la mécanique du jeu, donc le jeu me donne cette mécanique, j'utilise. Ça me paraît logique. D'ailleurs, j'utilise pas à tous les coups, hein. Quand je suis sûr de mon choix, je fais pas ça. Puis là, en fait, je savais que j'allais prendre parti pour Chloé, en fait, c'était juste pour voir ce qui se passait si je prenais parti pour machin. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Fais-moi un petit kiss, non, pour me remercier, là. Non? Bon.
Babarnou, alors. Listen. Ouais, 4h40 déjà. When I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. Mm-hmm. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything, for his sake. Intéressant. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. De quoi? Ils se sont rendu compte qu'il y a deux profils de joueurs, ceux qui l'utilisent pour tout tester, ceux qui l'utilisent jamais. Selon choix, fait caca ou non. Ah, une grosse discussion, c'est vrai. Hein. C'est vrai que là, elle a plus tout envie de chier du coup. Ah, il y a le chien dedans. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind, so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the quoi? Key. And qu'est-ce qu'il raconte? And Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's key. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé l'utiliser avec. Locked. Careful, Max. Cujo. Cujo. J'aurais bien aimé l'utiliser avec avec Kate, quoi, pour la sauver, tu sais. Mais visiblement, le jeu n'a pas voulu. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? What is going on here? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, mais c'est un oiseau. Oh là, le premier jour il y avait la neige, le deuxième jour il y avait l'éclipse, le troisième jour il y a un oiseau, il y a des oiseaux morts partout. C'est pas trop la bonne ambiance quand même. Oh, un message de papa. Désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt, je sais que tu es sous le choc, mais moi ça montre que tu as fait tout ton possible pour sauver cette jeune fille. Parfois il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Si tu as envie de rentrer à la maison, te mettre au vert et t'inscrire dans un autre lycée, la porte est grande ouverte. Bisous papa. Merci papa, c'était dur mais je ne suis pas prête à rentrer à la maison. A plus, Maxozo. Trop de mignonisme, trop de mignonisme. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next, the tornado? Très marrant. You don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? He ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. Oui, de toute façon, j'ai pas trop envie de parler de poisson, en fait. Ça m'intéresse très peu. Hein? Je peux rewind, là? Pour faire quoi? Good morning. How are the fish today? Don't ask. Ah, les poissons. I heard that something bad was happening to the fish in Arcadia Bay. Ah. Well, since you mentioned it first, there ain't no fish in Arcadia Bay. Mm-hmm. What? Come on. None? None worth catching and eating anymore. Deux fois, I'm not shitting you. Salmon, écoute-moi, trout, c'est la première bass fois que je fais. Died and migrated. Even the damn clams are dying. Les palourdes. But what about... Sorry, just too salty to talk about it. See you around, kid. Ok. Est-ce que j'ai des photos à prendre encore, là? Ah... Photo d'un drapeau américain, a priori. Photo de deux personnes en train de faire la cuisine. Photo d'une fourmi avec une plume. Ok. Y a pas le mec qui... Ah non, lui, je m'en fous. Lui, j'ai pas envie de lui parler. Merde. Non, là, non plus. Ah, y a pas la Clodo derrière, là. Elle connaît les bails, elle. Hi, how are you? I remember you. I heard about that girl killing herself at Blackwell. Oh, dans le top 3 t'es joué, carrément. D'accord. Kate Marsh. I was with her when she jumped. I tried to save her. I swear I did. Oh, honey. That was her choice, not yours. Don't you carry that weight. I know. I'm starting to see that I can't change everything. Especially when it comes to other people. Kate Marsh probably felt like she had nothing no more. I know the feeling. But I need to find out who else is involved in this.
I'm probably a bigger snoop than you. People pretend to not see me, so I see everybody and everything. Uh-huh. Including Nathan Prescott? That spoiled shit finally got kicked out of his daddy's school. He also drugged the girl who jumped. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. Bah... Je lui fais confiance à elle, là. Bon, allez. I feel like I can trust you as much as Chloe. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Could be. Bad mojo was in the air this week. Top 3 des jeux de 2015 avec Undertale et MGS5. Ouais. Ouais, non, MGS5... je peux pas vraiment dire que c'est un beau top 3 des jeux de 2015. Hein, parce que... Oh, c'est deg! Photo. So ominous. Ah oui, c'est des fourmis qui ont une forme de spirale. C'est chaud quand même. Mais du coup... Ah ouais, donc on est vraiment à la fin de l'épisode là, je pense. Quelque... Enfin, à peu près. Lui, je m'en fous. Et attends... Il n'y a pas un drapeau américain sur le van. Undertale, oui, Undertale, effectivement, c'est... Je troll un petit peu, mais c'est bien Undertale. Après, MGS5, non. En fait, le gameplay est bien, mais je me suis trop fait chier, quoi. J'ai pas fini, donc je peux pas dire que c'est un de mes jeux préférés de 2015, pas possible. Enfin, en même temps, est-ce que j'ai fait beaucoup de jeux en 2015 ? Enfin, après, c'est les jeux qui sont sortis en 2015. Donc c'est autre chose, quoi. C'est pas les jeux que j'ai fait en 2015. Enfin, je c'est compliqué. Officiellement, c'est complet, mais j'ai réussi à mettre la main sur 2 billets pour nous. J'ai dû me battre avec une dizaine de mecs, c'est nerd. Non, mais il est trop chaud, Warren. Il me fait un peu peur. Ah, Nathan, qui est là, salut. Connard. Nathan has time to get drugs from Frank because he was expelled. Tiens, je vais rester là et le regarder. Bah regarde-moi, salut, je suis là. Non, il veut pas. Tiens, je vais changer la musique. Juste pour faire chier. Non. L'orage qui revient. Ah, t'as eu un orage, là? Eh bien, désolé. Déso pour toi. Déso, pas déso. Ah, le flic, non. Pas envie. Est-ce qu'il y a des trucs aux toilettes? Oh là là, you killed Kate. Maybe we all did. Ah ouais. Shit. Le septième signe. La mer et le ciel vont devenir noirs et les choses vivantes vont mourir à cause de ça. Pardon. Rachel Amber me doit une pipe ainsi que ta maman. Parfait. I could chug this beer or dump Frank Bauer stars in a face full of beans. Oh, ah d'accord, carrément. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. Ah oui. Bon. Donc rembobinons un petit peu, peut-être éventuellement. Si je renverse l'assiette. Oh là là, carrément quoi. Are you fucking insane? I was eating those beans. I was eating those beans. You have serious balls, little girl.
But hanging out with Chloe, playing with guns, and dressing up like Rachel doesn't make you cool or tough. What the fuck do you want? Take a picture of me and I'll break your fucking camera. How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. You're lucky I just took that gun from you. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info. Groundhog Day. Ah, c'est le mec qui avait un billet de loterie là. A priori, il a pas gagné. Hein. Salut. Rachel. Whatever the fuck. Oh look, Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. Wow, j'ai plein de dialogues à faire là, trop bien. Catch arsenic, 2%. C'est un légendaire, c'est un shiny. Arsenic, c'est un shiny. Ton père. Your sugar daddy, ton daron. Protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Hmm? Spoiler alert, he's an asshole. Maybe I could help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Holy shit, what do you want now? I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Mm-hmm. Holy shit, what? Je vais tout lui demander, en fait. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart, too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Wow, sale Gwyn, il m'a dit. Holy shit. Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? So is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies, just go over to Frank and whisper, higher education. Enseignement supérieur. He'll hook your ass up. Nice. Holy sh... Bah, j'ai rien plus rien à lui dire en fait. Donc du coup je rewind là, c'est ça? Holy sh... Et donc il faut que je rewind à fond, c'est ça? Enfin je comprends pas. Donc là je dois rewind à... J'ai pas compris. Est-ce qu'il faut que je fasse ça là? Ça, je reviens vachement en arrière. Hein. T'as pas besoin de faire ça. D'ailleurs. Ah mais là j'ai plus parlé à la Claude. Bon tant pis. Mais je suis où là? Bon. Genre là si je lui parle. Rachel. Ah c'est bien ça. Non mais quitter en fait, j'en fous. D'accord, donc il faut. Ouais. Je vais parler au flic pour voir. How you doing, Maxine? Maxine. I'm so sorry you had to be up there with Kate when she, you know. Just know that. We're proud of you for going up there. Thanks, Officer Barry. I know you guys deal with this stuff way more than me, but it is hard to deal with. I'm glad you're representing Black Bull Academy. Mm-hmm. Rachel et Frank. Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore.
Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? Him and that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. My boy does love his dog. Wow, 97% de réussite sur Fatal. Bodyguard. You can bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. To his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs. Oh, yeah. Kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Oui. Bon, oui, alors essayons peut-être de parler à machin là, je sais pas. Chien sauvé. You act so scary, but you did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. I won't even let ah, d'accord, carrément quoi. Shit. Ok. Oh. Besides, you don't want a leash. You want these keys right here. Look at your eyes dilate. You're worse than a junkie, Max. But no fix for you. Et vas-y, mais donne-moi mon fixe. My work here is done here, Frank. Comment ça, ma mission est pas... Ah oui, ah les clés. Ah du coup, je prends les clés. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. What? You did not just do that. Give me back my keys, bitch. What? Give me my keys now. Et là, je rewind et il ne le saura jamais. Parce que je garde des objets. Même si ça n'a aucun putain de sens. Now back to Chloe. Parfait. ...99% de réussite sur Tracer. Mais c'est fou. C'est fou. Oh là là, mais j'en étais sûr qu'il fallait sauver encore Elissa, là. 8. Mais non, mais... You shitting me? Vite. Barre-toi. Ça fait 3 fois que je la sauve, hein. Quit thinking, Max. That was close, Alyssa. Okay, Max. This is the third time you've saved me from harm's way. You must be my angel. Don't thank me. I haven't done anything special. I saw you try and save my friend Gate on that roof. The only one who did. While people took camera pics. Kate était mon amie. Kate was my friend too. I would have done anything to save her. Everybody saw that. I'm proud of you for being so brave. You're pretty cool, Matt. Ah, c'est cool. That's not how I feel today, but thanks. We need to hang out more. 34% wine. I have to go, but let's talk later. Oh, ok. Cool? T'as l'air cool, t'as l'air sympa. Thanks again, Max. Talk to you later. T'es sympa. J'ai les clés. Salut. I should have known. The amazing Spider Max. Par contre, les pseudos, là, les nicknames avec Max, faut arrêter. Hein. You'll need this, Max. Oh, l'os que j'aurais dû prendre en photo. On your mark, get set, throw. Jeter sur la route. Sur la route, allez, fais-toi écraser. Non, mais attends, non, non. Non, il va se faire écraser. Non. Quel gros con. Merde! Non. I bet he's fine. I'm sure he is. Merde. On, we definitely don't have time to waste now. Non, je rewind. Oh, please don't let that dog be hurt. Or worse. J'avoue que voilà. Get the treat, boy. I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time.
The doggy is busy now, but he might come back. Mais assume, putain, assume. Damn. Pour ma défense, c'est vrai que j'aime pas les chiens. You're not a creepy druggie. Je suis pas un dog lover. Frank has issues, but he's not creepy. Et genre les chiens méchants comme ça, enfin pas les chiens méchants, mais les chiens, les gros chiens qui aboient et tout ça. J'ai très très peur de ça. J'ai très très peur de ces chiens-là et c'est un truc qui me hérisse complètement. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? Mais bon. Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. C'est pas une phobie, mais c'est je m'en méfie comme de la peste, quoi. J'ai des histoires hein, de gens que je connais, enfin que je connais de loin, mais qui ont été attaqués par des gros chiens comme ça, qui ont, enfin voilà, qui ont été ou défigurés ou machin ou truc, quoi. Donc bon, voilà. Je me méfie énormément. Et en plus, comme je me méfie, les chiens le sentent et donc ils sont agressifs. What? Oh, le petit poster, j'ai pas eu. Et donc, c'est encore pire. Can't quite picture Frank and Chloe drinking beer and hanging out. I think the doggy likes his bone more. Batte de baseball. I doubt Frank is trying out for the Arcadia Bay Brewers. The archetypal filthy guy dishes. Un couteau. Good to know Frank has a knife lying around. Bon, s'il débarque, je pourrais le planter. La chenille. Nice rig. Glad Frank. Of course, Frank gets the munchies. Sac plastique. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Ton père aussi était défiguré par un chien. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais moi, il y a plein d'histoires comme ça. Moi, ça me, c'est un truc qui me. How can somebody live like this? Que je n'aime pas du tout. Voilà. Is Frank going to deal online now? Le commerce en ligne pour les noobs. Are these for Frank or is he selling them? Or both? Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. Macho Mick, Katy, Bruce, Johnny. That's a pretty extreme. Oh, le briquet, quoi. Crappy Wi-Fi out here. It's taken days to download the porn. Yuck. C'est quoi ça? I could pry this vent open with the right tool. La bouche d'aération. No more secrets. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Mais oui, c'est ça, c'est des animaux, hein. Je veux dire, les chiens, ils ont beau être domestiqués, machin. S'ils peuvent péter un plomb, hein, ils peuvent péter un plomb à tout moment, donc. Ouais, laisser des chiens, laisser des gros chiens par exemple, près des, même des petits chiens, hein, à côté des bébés, mais c'est. Pour moi, c'est aberrant. Hein. C'est un truc que je comprends pas. Même des chats, hein, d'ailleurs. C'est pas uniquement les chiens, hein, c'est les chats à côté des bébés. Enfin, c'est. Enfin, ne serait-ce que pour les poils et tout ça, déjà. C'est problématique pour les allergies, les machins, les trucs. Mais alors, en plus, bah, voilà. Je veux dire, un chat, tu l'emmerdes un peu, bah, il te griffe, quoi. No prize here. Le couteau, ah, pour dévisser, parfait. This is almost as good as a set of keys. Pour dévisser les bouches d'aération, un couteau pointu. My blade will open any portal. Oh. Oh man. Hein? Rachel and Frank's dog. I don't know if I should be touched or disturbed. Oh là là. Frankie, j'espère que tu liras ce mot quand tu te réveilleras. Désolé pour hier soir, j'étais une vraie connasse et j'aurais pas dû me défouler sur toi et pauvre Pompidou. Il y a pas mal de trucs tordus qui se passent dans ma vie, je parle de façon que je pourrais pas qu'ils. Heureusement que tu es là, tu es une meilleure chose qui me soit arrivée quand je pense à nous, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Tirons-nous d'ici pour toujours, je t'aime pour la vie.
Rachel Amber. I'm glad Rachel got to drive this beast. Ah ouais, elle avait vraiment envie de se barrer en fait, avec Rachel Frank. Really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel. Ah oui, d'accord. I want to know. Trouble in paradise. Je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Je ne reste pas à feu sur la drogue. Tu m'as vraiment fait peur. J'ai cru que tu n'arriverais pas à te calmer. Eh ouais. Je suis du signe du lion. On ne regarde jamais en arrière. Je tiens à toi, à nous. Ah, elle embarque le truc, ok. Carré Housley. Donc on ouvre l'autre. Non, on peut pas. Bah, je pouvais ouvrir la bouche d'arrêt tout à l'heure. On peut plus. Ok. Faites direct des ados. Quelle horreur les ados aussi. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Jealousy. Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! Who hasn't? Fuck everybody! Chloe! Ah ouais, d'accord. Jamais contente, hein, c'est vrai ça. Toujours chiante. Chloe, you can't keep blaming me and en même temps, le chip quoi, le pouvoir du chip. It's so not fair. I gotta blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. La faute de personne grandit un peu, Rachel et Frank. So now it's Rachel's fault too? Jesus, she was banging that pig Frank. Bitch lied to my face, Max. I can't trust anybody again. Everybody pretends to care until they don't. Even you. Oh. Chloe Price. You better take that back. Right now. Okay. Fine. But you just don't understand. It's like I'm being punished by the universe. So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? Avec King Charles, c'est trop mignon. C'est trop des victimes, c'est vrai. Comment ça, c'est qui William déjà, j'ai oublié. You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me. Ah, c'est son père. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. Non, bah, le 200, tu attrapes pas Chantal. Interdit ça. Et oui, bah, le 200, il critique parce que j'utilise mon pouvoir de rewind, et lui, il rewind avec son pouvoir Squeezie. C'est fou ça, l'hôpital qui se fout de la charité.
What? Oh my god. What is happening now? WTF? Ah mais là ça fait flipper là. Ah non, j'aime pas ça. Ah non, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça du tout. Ah non, 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 je regarde pas. Ah. Ah. Ah non, ça va faire peur, ça va sauter du... Il va y avoir un jumpscare là, je le sens. Ah, ah. Ah, j'aime pas ça, putain. Ah. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. Oh là là, c'est un flashback. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey, you look totally pale. Oh là là, mais je suis remonté dans le temps. I just, Avec une photo. Yeah, I'm fine. Okay, Chloe, give me the thumbs up or thumbs down. What the fuck? I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. Serve us slackers. Am I that far back in time? What the fuck? In France, they call them. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? Oh là, c'est une photo que je peux prendre ça. I volunteer to break the eggs. La photo. Mom said it depends. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. That's true. So how many? La 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 la. Merci pour le follow, Epix. Don't you dare question the chef. C'est dingue. Like you're the real cook. Chloe is just so damn happy. I love William. Like he was in my own family. Ah putain, c'est le jour de sa mort. I won't let him die today. Mais non, mais dingue. You can see the bond between Chloe and her father. And the Oh là là. Now this is a photo. C'est le jour de la mort du père. Le téléphone qui sonne. Ouais, ils sont en train de jouer à la Play. Enfin, non, à la Super NES peut-être. Hello. Hey honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Non, non, il faut pas y aller. Now I'll have an excuse to get a mocha. Non, n'y va pas. Non. I have to stop William from taking his car to... Whoa, it's all blurry. Ah ouais, je suis limité au cadre de la photo. Like I can't step out of the photographic bounds. Dingue. You'll be grateful for that someday. My family never took fun, goofy photos like this. That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Les clés. Il faut que je pique les clés. Elles sont où les clés? Il faut que je regarde. Est-ce que je peux rewind? Aha. Ah putain, elles sont là. You can't hide from... Hop. Je rewind. Quoi, ça compte pas? J'ai pas pris la photo là? Si. Si, je l'ai prise. Hop, je prends les clés. Nice. C'est quoi comme manette ça? Si, c'est des manettes de Super NES. Hein. Ah, on dirait que c'est une. Qu'est-ce que c'est comme console ça? C'est pas mal pour de la NES. L'effet strange. Est-ce que je peux répondre à sa place? Hop, je réponds. Sorry, wrong number. Max, come on, you know better than that. Hey, man. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Ah, je peux cacher les clés là. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Bah non, je les garde. Of course, I'll come pick you up. Je peux cacher les clés à la corbeille aussi. Be there shortly. Love you. Je suis
suis obligé de cacher les clés. Excusez-moi, ladies, I have to go rescue yonder queen at the save mark. Bah, je peux les garder, du coup. Many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. La ficelle est en 8 bits, en 16 bits. Oui, c'est 16 bits sur la SNES. La SNES. La cheminée. Oh, je peux dessiner sur la cheminée. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Nice. Ah. Max, this is not the best time for a prank. Merde. Keys, please. I was just, are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. Merde, je peux même pas l'empêcher en fait. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Codec. Max, you'll be here too, right? Oh non, she's non. Never leaving me. Non. That makes all of us. Non. Pas dans la lumière, putain. I have to try. I have to. Hey, comment je peux faire? I was put here to use this power to save William. For Chloe. Il stop là. To be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Bon, je vais les cacher dans le... Je sais pas, dans les céréales. Parce que c'est quoi qui a sonné en fait? Il les a fait sonner? Je sais pas comment il a fait. Merde, il va les trouver là. Bah oui, il va les trouver, c'est évident. Je savais que cette chose serait handy. How did my keys get in here? Il faut que je les... Chloe and Max, ouais, mais non. Il faut que je les... Que je les cache dans un truc. Il faut que je les mette sous l'eau, en fait. Il faut que je... Stop! Stop! Arrête de rewind! Arrête de rewind! Putain, mais arrête de rewind! Mais stop! Mais arrête de rewind, bordel! You'll be grateful for that someday. Crap! I need to hide the keys where William won't hear his dumb beeper. You mean your college fund? Keys, please. Déjà, je dessine ça. Son porte-clés. Où est-ce que je peux planquer les... Ou dans le pot, là? Mais non, dans le pot, il va l'entendre. Dans le foutoir, là. Ah, sur le dans le canapé, peut-être. Dans le canapé, il va jamais entendre. Je cache les clés dans le canapé. Il entendra pas, ça sera étouffé par les coussins, non? Merde, il va l'entendre. Non. Il va pas le trouver. Si? Putain, mais si, il les trouve, bordel. C'est pas possible. Merde. Hop là. Donc, je rembobine un petit peu. Voilà. Je peux les foutre. Dans le vase, peut-être. Plouf, non? Non, ça va jamais le faire. Ça va jamais le faire. Eh, il va les trouver. Je savais que cette chose viendrait en handy. Comment mon keep? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make... J'ai rembobiné la selle ou pas? Oui, il faut que je rembobine quand même. Donc oui, passez. Putain, mais où c'est que je peux les foutre? Dans le fourre-tout. Non, là, il va les trouver. Là, je peux pas y aller. Dans l'évier, peut-être, non? Ah, bah dans l'évier, voilà. Hop. Allez, plouf. Là, ça sonne pas dans l'eau, quand même. Faut pas déconner.
Ça va pas sonner dans l'eau quand même. Arrête de me... Ah bah quand même, voilà. Faut pas déconner, bordel. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Release the keys. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. Nice. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, yes. The bus is great. J'ai sauvé le papa. Every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Alors, ça veut dire que j'ai sauvé le papa? Alors du coup, j'ai pas suivi du tout le... Ouais. Ah là, mais du coup, j'ai complètement modifié l'histoire. Oh, mais là, normalement, j'ai pas le droit de faire ça. Hein. Normalement, c'est interdit de modifier l'histoire comme ça. Hein. Et lui, il va disparaître, du coup. Oh là là. Ah ouais. Ah, carrément, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dit? Autant les clés directement. Hello, are you even listening, Maxine? Voilà. All my friends in LA told me that Oregon was Max. Never, Maxine. Ah, c'est devenu ma pote, elle? I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls? Ah putain, mais je traîne avec le vortex. I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Oh là là, mais je fais partie du vortex. Warren, he hooked up with Stella? What? Mais WTF? Mais tout est modifié. Tout est modified. This is totally oh, mais j'ai tout changé, bordel. What else ah, mais fallait pas faire ça. Et Kate, elle est vivante, alors, du coup, peut-être. Chloe. Non, éventuellement. Oh, il est devenu chauffeur de bus, lui, d'accord. Il est 5h, c'est pardonné. De quoi? Il passait 3 fois dans la fenêtre. Ah, on pouvait les jeter par la fenêtre, ok. Il va disparaître, juste pas être avec Joyce. Ah oui, voilà, d'accord. Je viens de rompre le continuum. GG, le jeu est fini. Incroyable. Ah, non, mais là, j'ai énormément modifié le présent, le passé, le futur, tout, quoi. Ouah, je suis choqué. Hein. Mais du coup, alors, Rachel Amber, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est elle est avec Frank, elle est toujours missing, machin, ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est quoi les deux prochains épisodes? Bordel. Bon, je ne pose pas de questions, ne me répondez pas, ne me spoilez pas, je ne... Voilà. 2.21 gigawatts. C'est fou ça. Quels que soient mes streams, tout le temps c'est modifié. C'est un peu incroyable. Même quand je ne veux pas, même quand je joue à un jeu normalement, le debug mode est inclus dans le jeu. C'est fou. Waouh, il y a des baleines échouées quoi. Mais t'es sérieux? J'ai pas triché, Kels. Il est 5h30, il faut que je me couche là. Bon, c'est la fin de l'épisode, je pense. Ah, c'est vraiment 3 heures par épisode. Hein. Presque quasiment pile poil. Et donc, du coup, là, il y a Chloé.
Non, ça va s'arrêter là, cliffhanger. Max Caulfield. What? Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! What? Oh là là! Mais what? Miu! Ah mais c'est pour ça, il faut pas changer le passé, putain. Mais what? Mais what the fuck, putain? Mais quoi? Épuisé. Je suis épuisé. Non, émotionnellement, ce jeu est beaucoup trop puissant. Ce jeu est beaucoup trop intense émotionnellement. Je ne peux pas. C'est pas possible. Ah putain. Ah, c'est dur. Merci pour le follow, Able Black. Ah putain, j'ai des frissons. Ok. Donc je comprends pourquoi les gens disaient, je voyais les gens sur Twitter dire oui, Life is Strange, oh le nouvel épisode de Life is Strange, je suis détruit émotionnellement. incroyable, formidable, c'est fou, c'est incroyable, c'est fou. Ok. Je comprends. I get it. Wow. Ah, c'est intense, hein. C'est super intense. En fait, c'est comme une très bonne série. Quand je suis demain, oui, je vais continuer. Balle de sang. Je vais pas là. Non, en plus là, je peux pas. Je pourrais même pas continuer là. Après ça, c'est pas possible. C'est complètement impossible. Il faut que je me remette émotionnellement. C'est pas possible de continuer direct là. Il parle d'une adaptation en série TV. Ah ouais. D'accord. Je sais pas. Je n'arrive pas à visualiser là. C'est vrai que ça s'y prête très. Enfin, je. Si. Enfin. Disons au niveau. Enfin, en matière de narration. De mise en scène. C'est. Clairement, ça s'y prêterait, je veux dire. Clairement, c'est évident, il me semble, que c'est. Ça suit toutes les meilleures idées des séries télé plus récentes. Après, est-ce qu'il faut le faire? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, parce que ça reste. Justement, est-ce que c'est pas mieux de se dire que voilà, bah, c'est un très bon jeu vidéo, quoi.
pourquoi est-ce qu'on devrait légitimer cette histoire en la faisant automatiquement passer en une série télé, non? Ça légitime aussi le côté, l'aspect... Souvent on dit, oui, le jeu vidéo, c'est un art, mais qui n'a pas encore eu ses plus grands chefs-d'œuvre, machin, etc. Ou c'est, disons, même pas en faisant parler de chefs-d'œuvre, mais qui n'a pas encore eu ses grands classiques, machin, etc. Voilà, mais c'est avec des trucs comme ça, des jeux comme ça... Tu te dis, bah, il y a des trucs, voilà, il faut aussi les laisser, peut-être. Bien. Ah, bonne nuit, Arsenic. Bisous. Oui, en plus, c'est un jeu à choix. Donc, dans une série, tu perdrais quand même cet aspect-là. Hein. Après, oui, je dis pas, ça pourrait être intéressant, mais... Ouais, l'aspect rewind. Après, l'aspect rewind, ça se fait. Hein. Il y a des très bons films hein, qui ont beaucoup joué là-dessus. Genre, sans spoiler quoi que ce soit, hein, parce que c'est évident. Mais, enfin, pas vraiment rewind, mais dans le sens... les constructions... particulière, originale sur le plan de la narration, plan chronologique, je veux dire. Il y a Memento, par exemple. Memento, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Hein. Memento de Nolan, de Christopher Nolan. Et je ne dirai rien d'autre, mais en tout cas, au niveau du jeu, sur la chronologie, c'est très intéressant. Sur la temporalité, justement. Bah, sur une série, ça paraît un peu pas possible quoi, de faire plusieurs fins, machin. Enfin, c'est même pas plusieurs fins d'ailleurs. C'est plusieurs embranchements, quoi. À chaque fois t'as des embranchements, enfin c'est compliqué quoi. L'effet papillon aussi, ça joue là-dessus, ouais, bien sûr. Memento, ouais. Faut s'accrocher, ouais. Memento, faut s'accrocher, faut le revoir peut-être une deuxième fois d'ailleurs pour bien comprendre. Mais... C'est un des premiers, si ce n'est le premier peut-être. En tout cas, un des premiers films de Christopher Nolan. Bah, le même Nolan qui a fait les trois Batman assez récemment, et qui a fait aussi le Prestige. Qui a fait Inception, évidemment. Voilà. C'est un de ses premiers films. Avec un scénar de son frère, il me semble. Ah, alors les... On va regarder ça, et puis ensuite je couperai le stream. Donc les choix. J'ai laissé l'argent. Ah, il y a quand même 46% des gens qui ont volé l'argent. Vous avez embrassé Chloé comme 79%. Tout le monde a shippé Chloé avec Max. J'ai pris parti pour Chloé, 79%, normal. Voilà, 94% des gens ont sauvé le chien. Et... Ah, c'est Franck qui a le pistolet de David. Oui, mais ça, c'était pas ma... Oui. J'ai pas choisi, ça. J'ai pas choisi. Ah, je pouvais récupérer le pistolet, a priori. Bon, peu importe. Lisa est en vie, Lisa est morte. Ah bah oui, c'est la plante, mais du coup, je l'ai trop arrosée. J'ai aidé Warren. Je suis sur la liste de la fête du Vortex. Ouais, on pouvait faire des trucs et je... Le message des flics sur le répondeur, quoi? Vous pouvez effacer un truc? Vous avez aidé Alissa. Ah oui, j'ai aidé Alissa, c'est vrai. Vous avez prévenu la SDF. De quoi? Et j'ai pris une photo dans le passé. Comment ça, j'ai pas pris de photo dans le passé? Bien sûr, j'en ai pris une. Mais c'est fou, ça. Il y a marqué, vous n'avez pas pris, mais si, je l'ai pris, la photo. Et j'ai laissé un dessin sur la cheminée. Le mec, il fait des films de pire en pire, mais n'exagérons pas. Personne n'a tué le Klebs. Ah, j'ai rewind la photo. Ah, j'ai peut-être annulé la photo. Ouais. C'est possible. Et ouais, balle de sang, c'est antisocial. Il perd son sang-froid, balle de sang. Ouais, j'ai rewind, Maxi.
Oui, c'est ça, j'ai rewind de trop. Mais après, j'avais vérifié, en fait, la photo était quand même enregistrée dans mes succès, enfin dans mes pseudo-succès, donc. Donc je ne sais pas. C'est compliqué. Très bien. Oh là là! Wouah, non mais ça danse en maillot de bain. Ah bah oui, c'est la piscine, ok. Wouah. Si vous êtes affecté par certains des contenus de Life is Strange, veuillez consulter notre site internet lifeisstrange.com talk pour obtenir des informations sur les groupes de soutien de votre région. Ah ouais, carrément quoi. D'accord. Et j'ai l'impression que le background change aussi au fur et à mesure. Ah là là. Dark Room, mon préféré. Comme les apéricubes, hein. Le 4 est super, très bien. Ah bah écoutez, vous me saucez. Ah c'est vrai que la SDF, je l'ai rewind. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai rewind la SDF. J'avais complètement oublié. Un peu le jeu de la dépression, mais en même temps, il est joli le jeu. Enfin, il est très beau. Enfin, c'est très chouette, quoi. C'est super. Franchement, super jeu. Je regrette, du coup, de pas... Enfin, non, je regrette pas, en fait. J'allais dire que je regrettais de pas l'avoir fait quand il est sorti, mais en fait, non, je regrette pas du tout. Puisque je me suis pas spoilé ni rien, et que je le fais maintenant, donc c'est... Non, je regrette rien, en fait. Pas du tout. En aucun cas. Eh bien du coup, merci d'être resté jusqu'à cette heure tardive, il est 5h40, je pensais me coucher beaucoup plus tôt. Mais ma foi, on ne sait jamais, ça, je suis resté, voilà, je me suis fait happer par le jeu. Et donc c'était très chouette. La suite pour quand, je ne sais pas. Ils abordent beaucoup de sujets, ferme pas les yeux, c'est vrai. Peut-être demain. Peut-être lundi. J'aimerais bien finir. Parce que en fait, mardi, je m'en vais. Donc, j'aurais bien aimé le finir avant mardi, quoi. Mais bon. Je vais essayer. Parce que après j'ai pas trop envie de laisser quand même une semaine entre deux épisodes. Enfin quoi que, en fait, en même temps c'est pas. Bon, je verrai. Voilà. Abonnez-vous et sur Twitter. Voilà. Gros bisous. À bientôt. Bonne nuit.